giờ ăn trưa nha cả nhà, cho nên là bây giờ cùng nhau tụ tập để làm bánh nhé. Từ chết rồi, đem chà bếp mà quên đem móng khúc rồi. Nó ăn xong ăn chà vậy hả? Đi cẩn thận nha. Ellie gạt xong nhìn nó kìa, nó kêu con kìa. Ellie gạt xong nó kêu kìa. Đi na giỏi, đi không sợ. Dạng. Thằng kia nhúng nó la thằng kia. Thằng kia nhúng nó la. Elina cứu cứu. Sáng đi mặc đồ đẹp lắm, tới đây mưa mẹ thay đồ cho đó. Nên thấy con heo không? Dạ. Con thấy không? Hả? Ở đó đợi nha anh. Dẫn con lên đây coi nè cái. Ôi quá trời luôn kìa, thú vật bên đó. Cái nhóm của mình bên đó. Quá trời luôn, cái công viên này nó rộng cả nhà. Nó rộng quá chừng luôn. Rất là đẹp ha. Trời ơi kìa, mấy con thú rừng bên đó rất là nhiều luôn. Đẹp ha. Cảm giác là đẹp. Đó, bên kia có xe lửa đó, hồi mình cũng lên xe lửa đó. Đi xuống hả? Ừ, có em hay không? Cái nè. Ôi, có cái con đó, cái sừng nó kìa. Đi nè, đi, con đó con gì đi. Một cái sẹt. Sẹt, trời ơi, có cái sừng. Rồi, có cái sừng nữa kìa. Đẹp không? Đẹp. Ừ, em nói lên trên đây nhìn xuống đẹp lắm. Đây, quay cho. Nè. Thấy dần. Dạ. Cảnh đó, cảnh thiên nhiên nè. Nhìn xa rất là đẹp luôn, mình đó nó nuôi bò ở đây. Là có gì là đứng xe là tốt. Ừ, ở đâu? Ina, 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 Ina,
Alors comme vous pouvez le constater, chacune des portes à présent était clôturée, vous ne pouvez donc plus vous échapper, c'est trop tard. Il va falloir me supporter pendant pratiquement une heure. Moi je m'appelle Romain, je serai donc votre animateur, j'essaierai de vous expliquer plein de choses sur nos animaux. Et vous le verrez avec moi, il y aura la voix d'un conteur, qui lui en profitera pour vous raconter plein d'histoires d'il y a fort longtemps jusqu'à aujourd'hui. Je vais juste demander bien pour ça, merci beaucoup. Et leur gibier de prédilection. Les rennes dont les troupeaux sont composés de milliers de têtes sont abattues à l'aide de saguets. Ils fournissent aux hommes une grande partie de ce dont ils ont besoin pour survivre. Leur outillage et leur équipement de chasse, mais aussi une protection contre le froid extrême. L'épaisse fourrure en poils creux des rennes permet aux chasseurs de disposer leurs tentes et leurs abris. Tout à la fois garde le reine de l'un gibier va chasser de la tête d'espoir. Il y a 10 000 ans, avec le réchauffement climatique qui suit la dernière grande glaciation, les forêts de bouleaux, de pins, et plus tard de noisetiers, de chênes et d'ormes, recouvrent progressivement ce territoire. Serge, cette transformation rapide du milieu naturel provoque un changement brutal du mode de vie des peuples de chasseurs. Les groupes, 10 à 15 personnes, constitués de 2 ou 3 familles, parcourent un territoire plus restreint que leurs prédécesseurs. Partout en Europe, on a d'ailleurs de très belles représentations sur certaines parois de grottes. Comme les grottes. Trời ơi, sát vô luôn à, sát luôn. Ê, ổng đang sát kế bên luôn. Ê, ổng kế bên luôn. Et nous, on n'a pas eu d'autres fois. Vos mains, s'il vous plaît, avant de les perdre, c'est... Aujourd'hui, on a essayé de réparer nos erreurs. Con này ghê quá. Dơ quá. À, con này không đẹp chứ chưa? Trời, cái mặt nó thiệt ghê. Mặt nó xấu. Đi dô á, con này con bọ cụng á. Con này con bọ cụng. Con đi dô. Ôi. Nè, nè, cheval kìa. Qu'on appelle accessoirement avec les dogs, les pickpocket cheetahs. Ils adorent venir piquer la nourriture de nos loups et lynx. Oh non, qu'est-ce que ça? Ou encore d'accord. Des coyotes. T'es cảnh đẹp hay nè. Ne sont plus indispensables à la survie. Ôi ơi, còn ngoài đó kìa. Environ 500 000. Còn nhóm không? Rồi, rồi bên cánh đồng lúa vừa xanh vừa vàng đã không? Dạ, đẹp quá trời luôn á. Đẹp quá trời luôn. Mé này sáng hơn, đẹp hơn mấy bên kia. Mấy bên kia đó. Chỗ mình đứng không có tiêu rồi mình thấy hết nữa. Thấy chung kia là thôi, thôi chạy tới hết luôn. Sao cơ hả? Dạ, thôi tới. Đứng tới bên kia là năm hết ở đây nè, chị đón cái góc này nè. Mà xa chứ hả? Elina. Đừng có chơm cái ngoài nhiều các cảnh đẹp không? Chaque année, il se prend plus de 2 siècles. À cette période, le couvert forestier ne représente plus que 25% du territoire, alors que la forêt en couvrait la quasi-totalité 4000 ans auparavant. Dans la région de Saint-Ouen, en plus de la déforestation, de nombreux. Et sous son bec, imaginez, il y a une très grande poche. Ça fait comme de la peau qui est capable de s'élargir. Et cette poche, elle va récupérer à la fois l'eau et le poisson. Bien sûr, après, il sélectionne. Vous doutez bien que l'eau, ce n'est pas très intéressant. Le poisson, beaucoup plus. Et ce que je vous propose, comme a priori, on a un volontaire, voire plus, 2, ça y est, 3. Allez, c'est parti. Regardez bien sous le bec.
Ôi ơi, kìa nó đang được quay ra bị xa quá rồi. Xa quá. Hey, le dernier poisson. Tout le monde a bien vu? Oui. C'est à cause de ça qu'on les a autant chassés. En fait, on était juste intéressés par cette partie du bec, parce qu'avec, on en faisait des sacs, et plus particulièrement des sacs à tabac. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas, heureusement, mais le mal était fait, il ne nous restait qu'à peine 1000 coupes dans toute l'Europe. Et comme premier regard, nous arrivons déjà cette très grande plaine. Mấy cái đằng này đẹp. Ôi, mình chụp bên kia. Giờ họ xuống đây chụp đây đi. Mà mình xuống đây mình chụp đây gần nè. Ờ, đẹp quá chừng luôn. Hình như cũng sắp sửa tới ngừng luôn rồi đó. Xe lửa. Mấy nổ, họ tới chỗ tự động ta xuống. Quá trời luôn kìa, nó hàng trước kìa. Trời, Lina nhìn bên đây quá trời luôn này, Lina. Autre chose. Et où ils vont perdre 30 à 40 kilos de leur poids parfois, et surtout où nos femelles ne sont réceptives, ne sont fécondables qu'à peine 24 heures, voire pour certaines 48 heures. Je vous laisse donc imaginer le véritable bazar qu'il y a dans cette plaine, tout en sachant qu'après cette période-là, ils sont tous très fatigués, et c'est pour ça qu'ils se réunissent. L'union fait la force face aux prédateurs. Donc en soi, quand on va les placer dans leur très grande réserve forestière, juste à côté des bisons et des chevaux de Prévalski, eh bien ça ne pose aucun problème, puisqu'en milieu naturel, ça se passe aussi comme ça. Et puis, si je me suis arrêté, c'est un peu plus pour vous parler de leur outil de prédilection, qui marche aussi par saison. On se met tous d'accord, que porte la dent devant vous, les cerfs qui sont au loin sur leur tête. Les bois. Et les bois, c'est composé de quoi? Bah de bois, ce serait trop facile. Đây, con đang lú cái sừng lên. J'ai entendu. Con đang lú cái sừng lên. D'os, en effet, comme votre squelette. Et chaque année, aussi étrange que ça puisse paraître, a été créé depuis peu par Gérald Saint-Jean, propriétaire de la ferme et des terrains alentours. Gérald est là, sa femme Liliane aussi. Leurs deux fils, Pierre et Laurent, les accompagnent. L'instant est sacré pour toute la famille. Gérald se hisse sur la première caisse et fièrement procède à son ouverture. Le cerf qui apparaît est le premier de ceux qui formeront la harde qui vit ici. En provenance du château de Chambord, cet animal est la matérialisation de la vie. Une folie pure, puisque alors ses collègues agriculteurs. Chacun de vous pour ouvrir un car il est 40 ans. Ce paysan visionnaire, soutenu de manière indéfectible par sa femme et ses deux fils, pour créer un parc animalier ici. À Sainte-Croix. Tout repose un temps sur une idée simple, qui est d'une passion d'enfant. La passion. Là thì nhau nó muốn ăn lúc nào nó ăn ha. Đẹp quá chừng luôn á, thì cái nhất này nắng lên lên đẹp lắm. Hồi sớm thì nó bị ăn, hồi sớm không có nắng. Lúc này tự nhiên nó hực lên, nãy tôi chạy chụp chưa có. Dạ. Con muốn chụp lại không? Thôi kệ nó. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn, các chị em đã theo dõi clip của nhà Family Lina. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha. Bye bye.